Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Afrique TV. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Sahel, où nous avons le projet d'une monnaie commune qui fait son chemin. Les ministres des Finances et des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui constituent l'alliance des États du Sahel, ont jeté la base de la création d'une monnaie commune pour s'affranchir du franc CFA. L'idée semble séduisante. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte de l'État Kogourma, instituant une nouvelle alliance entre les trois États du Sahel. En plus des faits fonds communs contre l'insécurité et les conflits menés par les groupes armés non étatiques, il est question d'une plus grande coopération économique avec la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune. Une annonce intervient au lendemain de la rencontre entre les trois ministres des Finances de ces pays fondateurs. Depuis, Issoufou Boubacar Kodo, politologue et analyste des finances publiques, affirme une optimiste certaine, nos pays ont compris qui n'ont pas de choix. Rappelez-vous, à la réunion entre Ouattara, Macron et les ministres des Affaires étrangères du Nigeria, à la sortie de la réunion, Macron disait qu'il n'y aura pas de négociation avec le Niger tant que Bazoum n'était pas libéré. Vous voyez à quel point c'est lui qui tirait les ficelles. La monnaie est un instrument de souveraineté et tant que tu ne gères pas ta monnaie, tu n'es pas souverain, déclare Issoufou Boubacar Kodo. L'Alliance des États du Sahel ambitionne également de renforcer la fluidité et de la sécurité des corridors d'approvisionnement ainsi que l'accélération de la mise en œuvre des projets de programmes énergétiques, agricoles et hydrauliques d'intérêt commun. C'est une belle opportunité pour ces trois pays et cela représente plusieurs avantages socio-économiques, affirme son côté Amboli Dodo, économiste. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Sahel. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de la création d'une nouvelle monnaie pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis, bye bye.